y a quoi? What is wrong? Les problèmes de l'accouchement. Qui a le problème d'accouchement? Vous êtes où? De l'Ouest. Vous êtes où? Fumban. Vous êtes de Fumban. Bonjour, vous êtes de Fumban. Venez recevoir. Oh, vous voulez quoi? Vous voulez les triplets, les jumeaux? Do vous voulez quoi? Vous voulez un enfant? Vous voulez les jumeaux? Vous voulez les jumeaux? Oui, papa. Vous êtes marié? Oui, papa. Vous voulez les jumeaux? Want... Allez, m'attendre devant, j'arrive. Regardez. Look. Je vais prier pour vous et le Seigneur va nous exaucer. Il va vous accorder les enfants parce que vous êtes menacés dans votre foyer. Alors, je suis en train de parler. Il y a des menaces dans son foyer parce qu'elle n'arrive pas à faire d'enfants. Hein? Et le cœur de votre mari est troublé. Et il veut aller. Il veut prendre une autre femme. Il veut une autre femme. On va prier pour vous. Dès que vous partez, votre mari est où? Where is your husband? Hein? Vous montrez quelque chose. Vous, il y a des problèmes spirituels sur vous. Quand vous étiez plus jeune, les hommes vous aimaient beaucoup. Les hommes vous aimaient beaucoup. Hein? Les hommes, avant votre mariage, hein? Les hommes vous aimaient. Ramatou, il y a quelque chose qui s'est passé à l'époque. Il y avait un jeune homme qui vous aimait, qu'on appelait Rachid. Hein? À l'époque, il y a un jeune homme qu'on appelait Rachid. Et Rachid vous aimait. Et Ramatou aimait aussi le jeune Rachid. Hein? Elle était amoureuse de Rachid. Vous-même, vous aimiez Rachid. À l'époque où Rachid était venu, il y avait Bouba. Hein? Il y avait Bouba qui était venu pour vous épouser. Il y avait un jeune homme qu'on appelait Bouba qui vous avait aimé et qui voulait vous épouser. Hein? Et il y avait Rachid qui vous aimait et que Ramatou aimait. Et à cause de ce qui s'est passé avec Rachid, Ramatou s'est fâché contre vous et elle est partie. Elle a pris votre foulard. Vous aviez le Lafaye qui avait disparu. Vous lui avez demandé ça. Vous avez un Lafaye comme ça. À l'époque, vous avez un Lafaye comme ça et le Lafaye, ça a disparu. Vous avez demandé à Ramatou. Elle vous a dit que je n'ai pas vu. Vous lui avez dit que mais j'avais oublié ça chez toi. Parce que vous étiez allé lui rendre visite. Et c'est ce que dit un sens. Et vous lui avez demandé, elle vous a dit que non, tu n'as pas oublié ça. Elle vous a dit quoi? Qu'elle n'a pas vu, papa. Qu'elle n'a pas vu. Pourtant, c'est elle qui avait retenu votre Lafaye. Elle a retenu le Lafaye pour aller faire briser la relation entre vous et Rachid. Or, pendant que Rachid venait, il y avait ce Boubacar ici, ce Boubazi qui vous aimait. Bouba est où maintenant? Where is he now? Vous savez où il est? Do you know where he is? Non, papa. Vous ne savez pas où il est? We don't know where he is. Vous étiez concentré plus sur Bouba parce que ce Boubacar était plus sérieux que Rachid. Et quand Ramatou est allé, elle a fait les trucs chez le marabout pour vous séparer avec Rachid. Elle ne savait pas que vous, c'est Bouba que vous aimiez. Ce que le marabout a plutôt fait, c'est qu'il a fait des gris-gris avec votre nom, avec le truchier, et il a remis un cadenas fermé à Ramatou. Elle est partie. Et ils ont jeté ça dans une rivière qui a la sortie de la ville. À partir de cette année-là, votre vie a commencé à changer. Même le mariage que vous avez eu ici, là, ce n'était pas un mariage facile. C'est un mariage qui a porté les problèmes dans la famille, qui a divisé la famille jusqu'à chez le chef. Il y a une division jusqu'à dans la cour du chef. Maintenant, écoutez, vos entrailles ont été fermées à cause d'une histoire de jalousie où vous étiez innocente. Le cadenas, alors je parle, est toujours dans la rivière là. Ce n'est pas une grande rivière, c'est comme un petit... Quand il ne pleut pas, ça sèche. Hein? C'est un petit cours d'eau. L'eau est sale. Les gens lavent les habits là-bas. Le cadenas là est là-bas. Garitawa ina soblate kabeno sabine detamazo. Je vous ai dit que vous n'avez pas d'amis. Hein? Regardez maman, vous avez eu beaucoup de vos amis qui ont amené votre nom chez le marabout. Elle ne sait pas. Ah. La tenata wa inabaris inautros preso.
Lo antaudako. J'ai vu quelqu'un qu'on appelle comme Mama. Hein? Mama. Oui. Mama. Oui. Elle papa. Est où? Elle est, il est toujours à Fumban. Il est à Fumban, hein? Oui, papa. La ma takazata wa anna galakekata beros inaderaza beros inau emrazi. Ok. Salut-moi. Maintenant, je vous donne un signe. Si quelqu'un veut vous faire du mal, l'Éternel le frappera en plein jour devant vous. Je vous ai vu avec une femme qu'on appelle Asana. Hein? J'ai vu une femme qu'on appelle Asana, qu'on appelle Asana. Parce que vous êtes déjà séparés depuis longtemps. Et cette Asana était aussi votre amie. C'est aussi une amie à vous. Vous êtes séparés. Ça fait au moins 10 ans que vous êtes perdu de vue. Hein? Vous savez où elle est maintenant? Papa. Hein? Non, papa. D'accord. Tant que son oncle ne vous épouse, oui, c'est pas lui qui devrait vous épouser. Il y avait un autre homme qui voulait vous épouser. Hein? Il y a un autre jeune homme qui voulait vous épouser. Ce qui s'est passé, regardez. Vous connaissez quelque chose comme Sabongari? Ou c'est Sabongari? Vous connaissez quelque chose comme ça? Comme Sabongari? Sabongari? Non, papa. Sabongari? Non, papa, on ne connaît pas. Non, il y a quelque chose à Fumban. Hein? J'ai vu un endroit à Fumban qu'on appelle comme c'est ça, c'est Sabongari ou c'est Sabongari. Et à l'époque de Asanasi, il y avait un jeune garçon qu'on appelait Mamadou. Hein? Un jeune homme, Mamadou, qui vous aimait. Et à cause de ce Mamadou aussi, votre ami Asana aussi est allé chez le marabout. Chez vous, chacun a son marabout. Tout le monde a un marabout. Everybody has a witch doctor. À cause de Mamadou, Asana est allé chez le marabout pour vous aussi. Donc, où vous êtes, les gens vous ont tellement chargé sur le plan maléfique. Vous avez bien fait de venir ici aujourd'hui. Tout ce qu'on a fait et dit contre vous, j'annule ça au nom souverain de Jésus. Bonsoir, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je suis malade gravement. Semaine se passée, je suis parti à l'hôpital samedi. Et j'ai fait ces radios. On m'a dit que mon poumon est rempli de l'eau. Et c'est sous plat qu'on m'a enlevé ce dos. Maintenant, on voulait me bloquer là-bas. J'ai dit que non, je les appelle ici. Je vais supporter pour venir là où je connais d'abord, à Réma, pour que papa me touche avant que je parte encore, on fait le reste des tests. C'est comme ça, alors que je suis venu, j'ai pris la liste des malades. C'est là que papa est passé et est venu me toucher. Dès qu'il m'a touché, beaucoup de choses qui ont sorti dans moi. Et à 7 ans, j'ai ressenti mon corps un peu. Je suis parti lundi. On a fait tous ces examens. On m'a dit qu'il n'y a rien. C'est là que je suis content. Parce qu'à cause de...
êtes reparti, vous avez refait la radio. Oui. Et quand vous avez refait la radio, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui. Si tu n'acclames pas, c'est que tu ne comprends pas la puissance de la prière. The theme of tonight, lorsque Dieu et Satan s'associent, when God and Satan associate themselves, pour te bénir. Allons dans Colossiens chapitre 2. Let's go to Colossians chapter 2. Quelqu'un va dire en français, verset 1 à 3. Verse 1. Il dit pour connaître, to know, eis epignosin, to mysterio, puteio, eis epignosin, to mysterio, to Dieu, Christ, pour connaître le mystère de Dieu, of God, à savoir Christ. Christ, pour connaître, connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Christ est le mystère de Dieu. Christ is the mystery of God. Oui. Il dit en haut et ici, pantes oi. Des sauroïdes, Sophias, en ce mystère sont cachés. In those mysteries hidden, tous les trésors, all the treasures, des sauroïdes, tous les trésors, all the treasures, des Sophias, de la sagesse, of wisdom, kai gnoseios, apokryphoi, et la connaissance cachée. And hidden knowledge. La sagesse, wisdom, les trésors de la sagesse et de la connaissance cachée. Quand je nais de nouveau, mon esprit naît de nouveau. Again, il est renouvelé. Désormais, je ne vis plus de la connaissance mondaine, mais de l'intelligence. C'est cette intelligence du royaume qui me prépare à comprendre les mystères du royaume. Qu'est-ce que l'apôtre Paul explique? Paul dit que nous sommes dans un royaume fait de mystères. Le christianisme, c'est des mystères. Tant que vous n'arrivez pas à comprendre ces choses, vous ne pourrez pas avancer. Jésus-Christ a comparé le royaume de Dieu. Et il a dit, à quoi comparerais-je le royaume de Dieu? Et dit, le royaume de Dieu est semblable. Un homme qui marche dans un champ. Et dans ce champ, il découvre un trésor. Et il repart chez lui. Il ne dit à personne. Il vend tous ses biens. Et il vient acheter le champ. Parce qu'il veut posséder ce trésor. Donc, ce qui est caché, c'est ça qu'on appelle en grec mysterio. Ça dit le mystère. Mystère veut dire quelque chose qui n'est pas à la portée des hommes. Quelque chose qui est caché. Quelque chose qu'il faut découvrir. Et l'apôtre Paul nous explique que le royaume de Dieu est basé sur des mystères. Et que Jésus-Christ est le mystère de Dieu dans ce royaume-ci. Tu ne peux donc pas faire des exploits sans comprendre les mystères. Parce que ce qui est mystérieux veut dire qu'on n'a pas encore décédé. Quand vous avez un téléphone, si je vous donne mon téléphone, if I give you my phone, il demeure un mystère. It does a mystery. Jusqu'à ce que vous ayez le code. Until you have the password. Et si vous avez le code, and if you have the password, vous décodez mon téléphone. Vous aurez accès à tout le trésor que contient ce téléphone. Jésus peut te donner le royaume. Mais tu ne bénéficies pas des trésors du royaume. Parce que tu n'as pas les lois qui déchiffrent les mystères du royaume de Christ. Tout enfant de Dieu n'avance pas dans leur vie, dans leur relation avec Dieu. Ne font pas des exploits dans leur vie.
in their lives, personnel, personal life, parce que because ils n'ont pas encore les clés des mystères du royaume de Christ. They don't yet have the keys to the mysteries of the kingdom. Le royaume de Dieu est basé sur des mystères. The kingdom of God is based on mysteries. Et pour déceler, and to unseal, décrypter, décoder ces mystères, decode those mysteries, il faut comprendre que ce royaume est basé sur des lois. You need to understand that kingdom is based La on vie laws. Est basée sur des lois. Life is based on Notre laws. Existence est basée sur des lois. Le royaume laws. De Jésus est basé sur des lois. The kingdom of Jesus La vie chrétienne est basée sur des lois. Your Christian life will have to build S'il vous plaît, écoutez-moi parce que l'apôtre Paul va dire après cela. Please listen to me keenly because apostle tu peux Paul jeûner et prier. You can fast and tu pray. N'avanceras jamais. You will never move forward. La seule chose qui te fera avancer. The only thing that will make C'est la connaissance des mystères du royaume de Christ. Le jeûne Fasting ne donne pas de succès à quelqu'un. Don't give success Le jeûne ne fait pas que ta prière soit exaucée. Fasting does not make your non, prayer to be answered. La prière en elle-même ne constitue pas un exaucement. Prayer itself does not La prière n'est pas puissante prayer is not powerful si elle n'a pas de révélation. If it does not have any revelation, une prière sans révélation est récitation. Prayer without revelation Mais une prière basée sur la connaissance Le mystère du royaume de Christ est puissant. Et change le monde. Et le mot de cette prière est puissant. Assez puissant pour déplacer les choses. So powerful to move things. Tant que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Not that you don't know who you are. Où irez-vous? Where will you go to? Tant que vous ne comprenez pas ce que Dieu investit en vous. As long as you don't understand que ferez-vous? You, what will Tant you que do? Vous ne comprenez pas votre identité spirituelle. As long as you don't understand your Quel démon identity, se prosternera devant vous? Which is the reality. Jésus-Christ a dit ceci. Jesus Christ Rien n'est impossible à celui qui croit. Nothing is